ce que je sais pour la paille, c'est 925. Ce que je sais pour, moi comme ça, c'est 125 la page. 925. C'est après Nao. Voilà. Si elle veut la lumière, vous signalez, on met la lumière. Ça va, tout le monde voit? Ça va? Ok, ensemble, on y va. J'étais à mon poste et je me tenais sur la couteau. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris à la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il ajoute l'explication à cette foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'importance de la compréhension de la parole de Dieu par l'Esprit. Alors, comme nous étions charnels, quand nous lisions cela, pour nous, c'est la prophétie, c'est par rapport au mariage, c'est par rapport au travail, c'est par rapport au voyage. Il n'en est rien du tout parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Maintenant, ceux qui aspirent à se marier, patientez évidemment. D'accord? Le Seigneur fera grâce. Mettez votre confiance à l'Éternel. Mais ne prenez pas ce passage-là pour vous appuyer pour atteindre le mariage. Parce que ce passage est censé parler de la personne de Jésus-Christ. Ici, c'est le prophète Habakkuk qui est au milieu d'une génération, je vous assure, pervertie. Dans le mal, dans le péché. Et Dieu suscite Habakkuk pour interpeller le peuple afin que ce peuple se ressaisisse et revienne sur les meilleurs sentiments. Mais Habakkuk va se rendre compte d'une chose, c'est que malgré les appels au ressaisissement, malgré les interpellations, ce peuple, je vous assure, était continuellement dans le mal. Et il pouvait s'arrêter pour dire, mais Seigneur, mais finalement, à quoi aurait servi le fait que tu me suscites? Tu m'as suscité finalement, pourquoi? Parce que quand je parle, personne ne m'écoute. Quand j'interpelle, personne ne m'écoute finalement. Qu'est-ce que tu attends de moi? C'était une plainte de la part d'Habakkuk. Alors, je souhaitais qu'on lise du Habakkuk 1. Quelqu'un va lire cette personne? Donc, Habakkuk chapitre, on va lire le verset 1 au verset. Du coup, Habakkuk 1. Le verset 1 au verset 4. Pour avoir une idée un peu de ce à quoi le prophète Habakkuk était confronté. Habakkuk, chapitre 1. Là où nous étions tout à l'heure. Habakkuk, je voudrais bien verser au quatrième verset. L'Avez-vous dit ceci? Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Oracle, l'oracle est synonyme de fardeau. Fardeau déposé dans la vie d'Habakkuk, qui était le médiateur entre le peuple et Dieu, qui était le prophète en ce temps-là. Donc c'est un fardeau. Les prophètes, lorsque Dieu les suscitait pour, c'était comme pour eux un fardeau. C'était compliqué. Parce qu'il fallait vraiment s'assurer que le message passe. Mais Habakkuk va être confronté à la difficulté, son message ne passait pas. Son message tombait dans les oreilles des personnes sourdes, des personnes qui couraient d'où cette plainte. On y va, prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié. Vous écoutez sa plainte? Et tu n'écoutes pas. Jusqu'à quand, Éternel, j'ai crié, mais tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence. À la violence! Et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité
et contemples-tu l'injuste? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Habakkuk avait l'impression que son message n'avait aucune part. Continue. Fait. Il y a les querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie. La loi que tu avais donnée à Moïse ne trouve pas son impact dans la vie de ce peuple. En fait, il est désemparé. Il ne sait que faire. Continue. Fait. La justice n'a point de force. Car le méchant triomphe du juste. Oh! Et l'on, c'est l'inverse. Et l'on rend des jugements iniques. Iniques. Amen. Et voilà jusqu'au verset combien? Voilà. Et l'on rend des jugements iniques. Donc voilà un peu l'objet de la plainte du prophète. À un moment, il va comme se décourager. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter sur la tour, n'est-ce pas? Avec la disposition qui est celle d'entendre Dieu à nouveau parler, parce qu'il ne comprenait rien de ce qui se passait. D'où ce que nous avons lu tout à l'heure. Vous allez voir qu'il s'agit ici, il est dit, je le prends, j'étais à mon poste, en effet, je me tenais sur la tour. Donc, la tour ici est symbole de l'intercession. En fait, la position qu'occupe le Seigneur Jésus en notre faveur. Il dit, il se tient à la tour. Et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. D'autres versions parlent, disent, afin qu'on la lise clairement, afin que cette prophétie soit claire. Regardez. Lorsqu'une prophétie est libérée, attention, il faut avoir des oreilles ou il faut avoir des yeux pour la comprendre ou pour la voir. C'est pourquoi il dit que grave-la sur le câble, d'accord, afin que lorsqu'on la lira, que cette prophétie soit claire. Cette prophétie a été libérée à l'époque d'Habakkuk, mais ce n'était pas clair dans l'entendement de ceux à qui elle avait été libérée. Mais le Dieu va dire à Habakkuk, grave-la. Parce que cette prophétie, suivez-moi bien, avait été écrite pour que nous la comprenions aujourd'hui. C'est pas ça qu'on comprend. Ça dit que Habakkuk, Dieu a utilisé Habakkuk pour écrire ces choses-là, ces choses qui en réalité étaient destinées à la postérité d'Abraham. Amen. C'est pourquoi lorsque nous la lisons, nous comprenons. Amen. On comprend finalement le bien fondé de cette prophétie. Mais il va dire celle-là. D'accord? Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment, donc clairement. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Donc, les temps d'accomplissement sont en marche. Suivez. Elle tarde, voilà, elle ne mentira pas, d'accord? Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Voici son âme. Donc l'âme du peuple est enflée. L'âme du peuple est orgueilleuse. L'âme du peuple est rebelle. Le peuple est rebelle à Dieu. Voici mon âme. Voici son âme est enflée. Elle n'est point droite en moi. Mais le juste vivra par la foi. Donc, le contenu de cette prophétie, c'était quoi? C'était la justice de Dieu. Parce que si vous vous remettez par le futur, le juste vivra par la foi. Or, à cette époque-là, je vous assure, il n'y a même pas un seul juste. Même pas un seul. Alors, le prophète Job va se poser un ensemble de questions. Ah, Seigneur! Parce que Job connaissait ce qu'il était réellement. Quand bien même il avait été choisi par Dieu, mais il connaissait le lien d'affiliation qu'il avait avec Adam. Donc Job savait qu'en lui, rien de bon ne pouvait sortir. En fait, il était un pécheur. D'où cet ensemble de questions. Prenons Job chapitre 1, il va se poser, on va pas dire trois questions qu'il va se poser, mais les questions qui pourront nous aider aussi si nous les posons. Job chapitre 4, on va lire verset 17, s'il vous plaît. Job chapitre 4. Au verset 17. Donc, mais quelque la page, ça, c'est les coups qui vont aller un peu plus vite. 526. Oui. Pour ceux qui ont l'édition du second. Très bien. L'homme
serait-il juste devant Dieu? Ah, c'est une question. L'homme serait-il juste devant Dieu? Job vous a dit, comment cela est possible? Job se sait pécheur. Mais il dit, l'homme serait-il juste devant Dieu? Job ne savait pas qu'à cette époque, selon la pensée de Dieu, ce qui est impossible à l'homme est possible à lui. Pour Job, je vous assure cette question simplement parce qu'il ne voit aucune possibilité pour l'homme de devenir juste. Comprenez ici la préoccupation de Job. Continue. On a dit, Job, Job 4:17. C'est tout? Oui. Je crois. L'homme serait-il juste devant Dieu? Oui. Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Ah! Serait-il? Serait! C'est quel temps? Pour les étudiants? Le conditionnel. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant Dieu? À ce que je sais, c'est possible. Ça, c'est la pensée humaine. Mais Job ne savait pas que Dieu avait déjà parlé à Habakkuk, lui disant que celle de ses prophéties, même si elle était avec sa conclusion, en ce sens qu'il arrivera au moins un temps où il sera donné à l'homme la possibilité de devenir juste. Pour bien comprendre. Tu as fini? Oui. Tu veux Job 25? On va prendre maintenant Job 25. Verset 4. Job chapitre 25, verset 4. Seigneur, ouvre nos oreilles. Job 25, ouvre nos yeux ce matin afin que ces choses soient claires. 532. C'est notre prière, Seigneur. On y va. Donc, Job 25. 25, verset 4. 25, non? Oui, Job 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Regardez, c'est encore une question que Job se pose. Il dit, comment? Comment cela sera-t-il possible? Parce que je sais que l'homme est mauvais. Le prophète, comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu? Ou serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Regardez, pourquoi le prophète fait une relation entre l'homme et la femme? Parce que l'apôtre Paul nous dit, ce n'est pas Adam qui avait péché, mais c'est Ève qui s'émite, fut rendue coupable de transgression. Comprenez que c'est pourquoi le Seigneur est obligé de protéger la femme dans les choses de Dieu. Mais l'homme est sorti de la femme. Les hommes sont nés de la femme. Il dit comment, rien que sur la base de ce que la femme avait fait, sa progéniture, comment peut-elle être juste devant Dieu? Pour moi, Job, cela est impossible. Il ne savait pas que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu as fini, frère? Verset 25? Oui. Hein? Continue. Verset 4. Verset 4 seulement. Ok, on y va. Maintenant, Job 15, on revient. Job chapitre 15. Trois questions. Job 15, on va lire le verset 14, s'il vous plaît. Job 15. Verset 14. Job 15, le verset 14. On y va. Job 15, verset 14. Oui. Est-ce que l'homme, pour qu'il soit pur? Ah, toujours Job. Mon Dieu, un ensemble d'interrogations. Job ne comprend pas ou ne sait pas comment un homme aussi pécheur peut devenir juste devant lui. Il dit quoi? Qu'est-ce que l'homme? Pour qu'il soit pur. Celui qui est né de la femme, ça devient quoi? Être juste. Est-ce que celui qui est né de la femme peut devenir juste? Peut être juste? Pour moi, Job, c'est impossible. Je reviens pour dire que le Seigneur a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Regardez. Lorsque le Seigneur parle comme ça, c'est suite à des questions posées par ses disciples. Ah Seigneur, finalement, comment faire pour être sauvé? Et puis les disciples vont se rendre compte que c'est vraiment difficile. Et puis disons au Seigneur, mais finalement, qui va être sauvé? Si c'est comme ça, Seigneur, qui peut être sauvé? Le Seigneur dira,
ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire que la prophétie d'Habacuc était en cours. Pourquoi? Parce que dans l'accomplissement, pour ceux qui lisent cette prophétie couramment, parce que peu la lisent couramment. Parce que si les gens lisaient cette prophétie couramment ou la comprenaient, on ne verrait pas des gens continuer à chercher la justification par leurs propres œuvres. C'est parce qu'on comprend. C'est pourquoi il dit que cette prophétie fait en sorte qu'elle soit lue couramment. Mais par qui? Par ces personnes que Dieu a destinées au salut. C'est pourquoi vous allez voir qu'on peut avoir toute la même Bible. Regardez, nous étions. Comme disait le fait tout à l'heure, jeudi, nous étions à une assemblée, mais vraiment, c'était comme se retrouver dans une salle ténébreuse, avec un message bizarre, tordu, dans la mesure où, je vous assure, aucun éclairage. Il faisait sombre là, ça. Quand il y a sombre, c'est pas une réveil, mais non. Mais nous parlons des ténèbres liées à l'ignorance. Et le conducteur, et pour le peuple, vraiment s'assembler avec elle. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même Bible que nous, mais ils n'arrivent pas à lire la prophétie couramment. Donc, c'est pas le vivant qui parle de la vie clairement, comme ça. Donc, ils lisent, mais ce n'est pas clair pour eux. Autrement dit, ils ne comprennent pas le fond de la pensée. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour l'exhortation de ce matin. La parole est faite. Frère, quand la compréhension, quand la grâce n'est pas été accordée, elle ne comprend pas ce livre-là. Je vous assure, c'est terrible. Et c'est ce qu'on a été par le passé. Nous croyons et nous nous demandons pourquoi les choses ne se dessinaient pas dans nos vies. Parce que seule la pensée du Seigneur est constructive. Vous ne pouvez pas expérimenter la réelle liberté si vous appuyez sur les écrits. Oh, le Seigneur a dit que tel ennemi, il faut tuer le sorcier. Maintenant, sans comprendre la pensée, tu vois, maintenant, tu es de dire, oh, comment tu m'as permis le nom de Jésus, tu meurs au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le problème, c'est que tu as libéré ces cris. Parce qu'il est écrit, tu ne laisseras pas vivre le sorcier au milieu de vous. D'accord? C'est écrit, la lettre dit ça. Mais maintenant, derrière la lettre, il y a une pensée. Une pensée qui ne doit plus te donner d'être dans cette démarche d'adapter la grand-mère au village. Est-ce que vous comprenez ça? Par conséquent, la parole qui est censée te construire va se retrouver en tête de Dieu toi-même. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est-à-dire les deux côtés coupent. Attention. Les deux côtés coupent. Attention. Il y a un côté que Dieu a réservé pour couper, mais pour détruire. Et un côté qui coupe pour construire. Donc, la grâce est donnée à qui? À l'utilisateur. Si tu utilises ton couteau, frère, à bon escient, ce couteau va te permettre d'accomplir un certain nombre de tâches sans difficulté. Il est souvent difficile de cailler un poisson parce que le couteau ne coupe pas très fort. Ah, depuis la vraiment, et pour le couper, ça écrase un peu le poisson, qu'est-ce que le poisson? Oh, quand le couper est déguisé, mais vraiment, ça va vite, n'est-ce pas? Donc, la parole, ainsi est la parole. Lorsqu'elle est mal utilisée, elle nous détruit. Mais lorsqu'elle est bien utilisée, elle nous construit. On est où, on s'est allé où? Habacuc 15. Alors prenons Romains. Job. Voilà, Job. Romains chapitre 3, s'il vous plaît. Romains 3, le verset 9 à 10. Donc, la difficulté de Job ici, connaissant l'homme, n'est-ce pas? Il est convaincu que l'homme ne peut être juste devant Dieu. Cela est carrément impossible. Il est dit sur la base de ce que déclare l'apôtre Paul en Romains, chapitre 3, le verset 9 à 10. Qu'est-ce qui est écrit? Pour moi, Job n'a pas tort. Romains, chapitre 3, verset... J'espère que nous nous mettons à la place de Job, n'est-ce pas? Non, il n'a pas tort. Frère, il n'a pas tort. Il sait ce qu'il était réellement. On y va. Romains, chapitre 3, à partir du verset 9 oui. à 10. Mmh. Page 1135 pour ceux qui ont l'édition du second. Oui. Pourquoi donc? Quoi donc, autant pour moi? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. C'est Paul qui parle. Il parle en tant que juif. Il dit quoi donc? Est-ce que parce qu'on a reçu la loi, trouvez-moi, est-ce qu'on est ce peuple, parce qu'on est ce peuple-là que Dieu a choisi parmi tant d'autres peuples, est-ce que parce que nous sommes des privilégiés, que nous sommes différents de ces autres peuples autour de nous? C'est une question. Il dit,
point. Loin de là. Sommes-nous plus excellents? Nullement. Autrement dit, nous sommes pareils. Nous avons les mêmes comportements. Nous souffrons de la même maladie que tous les peuples autour de nous. Parce que Paul a démontré, et les Juifs et les non-Juifs, tous ont souffert, tous avions souffert d'une seule et même maladie qu'on appelle le péché. Continuez. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Car nous avons déjà prouvé, que, et les Juifs et les Grecs, tous sont sous l'empire du péché. Et vous comprenez néanmoins l'embarras du prophète Job. En effet, si c'est ça la base, qui peut être juste? Suivez. Regardez. Nous partageons ces choses. Vous allez remarquer que le pied est en sécurité. Alors nous avons beaucoup à dire, mais nous nous apesantissons sur le point qui pour nous fait la force du croyant. La Bible dit, tout ce qui triomphe, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Vous allez remarquer qu'on peut aller à gauche, à droite, mais nous revenons toujours sur ce qui fait notre force. Pourquoi? Parce qu'avant nous, Dieu a rendu témoignage à ceux qui ont été suscités avant nous. Parce qu'ils ont manifesté ceux-là, ce que nous répétons et nous répéterons toujours. La foi, sans laquelle personne ne peut être. La Bible dit ceci. Pour l'avoir possédé, donc les anciens, donc ceux qui ont été suscités avant nous, Dieu leur a rendu quoi? Un témoignage favorable. Regardez. Dieu rend jusqu'à aujourd'hui un témoignage favorable à ces personnes en qui il voit la foi. Regardez, c'est qui va être agréable à Dieu? Les mains vont se lever. Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas ta ligne qui te rendra agréable à Dieu. Ce ne sont pas tes veillées de prière qui te rendront agréable à Dieu. Ce ne sont pas tes jeunes multipliés qui te rendront agréable à Dieu. Parce que ce peuple courait, à savoir les Juifs, ont jeûné, ont accompli des œuvres pour plaire à Dieu, mais ils n'avaient pas compris que Dieu n'avait pas prévu de rendre l'homme juste au travers de ses souffres. Par contre, ils s'étaient résolus de justifier l'homme au temps marqué par la prophétie qu'il a demandé à Habacuc d'écrire et de sceller. Sceller pour quoi? Elle n'allait pas être scellée pour toujours, bien évidemment. Elle allait être lisible ou encore ouverte à ceux à qui ces choses étaient destinées. Donc, la postérité d'Abraham, la postérité de Christ, c'est nous qui devons maintenant ouvrir cette prophétie. Parce que quand on l'ouvre là, regardez, à cette époque d'Habacuc, même quand quelqu'un pouvait l'ouvrir, vous ne pouvez pas la comprendre. Mais nous, aujourd'hui, par l'Esprit, en l'ouvrant, nous avons cette clairvoyance-là, nous voyons sous clair, et nous comprenons en fait finalement ce que Dieu veut simplement dire. Regardez, la foi, frère. Je ne sais pas si vous avez le constat pour moi, mais depuis un temps, je me rends compte que même quand on me dit des choses, moi, je vais venir sur l'affaire de la foi. Amen. Ça veut dire quoi? Certainement, je ne suis pas Dieu, certainement, au milieu de nous, il y a des gens qui n'ont pas encore reçu cette foi. Mais comme cette foi vient de ce que l'on entend, nous allons vous éventuer à vous libérer les paroles de Christ de façon à ce que cette foi vous soit suscitée. Et cela pour votre salut. Paul disait ceci, prenons ça, 1 Corinthiens chapitre 2. On n'a pas terminé. Vas-y. On a dit ce verset 9 à 10. Oui, verset 10. Oui. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Ah, donc, en même seul. Donc, Job n'avait pas tort. Selon qu'il est écrit, quoi? Il n'y a point de juste, même pas un seul. Donc, quand Job dit que, ah, comment l'homme qui est sorti d'une femme pourrait-il être juste? Il n'a pas tort à le faire. Le verdict de Dieu à notre endroit a été simple. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans distinction. Sans distinction sociale. Sans distinction de terre. Sans distinction de croyance. Tous les hommes sur toute la surface de la terre, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais gloire à Dieu. La suite de ce verset me dit que mais ces mêmes personnes-là qui ont péché et qui sont privés de la gloire de Dieu vont se retrouver quoi? Gratuitement. Si c'est écrit, n'est-ce pas? Gratuitement. Regardez.
Pour ceux qui comprennent la prophétie, nous comprenons la valeur de la gratitude. Or, ceux qui ne comprennent pas la prophétie, faire gratuit pour eux, c'est un simple mot. C'est pourquoi ils persévèrent dans leurs œuvres visant à plaire à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Alors, prenons 1 Corinthiens, chapitre 2, on va lire le verset 1 à 5. Écoutez Paul, Paul avait le même souci que nous autres. C'est pourquoi il n'a pas tenu un langage mystificateur. Il n'a pas cherché à persuader les gens de la parole de Dieu par ses propres mots ou de par son éloquence. Il va s'abstenir, il va veiller à s'abstenir aux moyens, n'est-ce pas, humains, pour que les cœurs soient touchés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenir un langage spirituel pour les choses spirituelles. Quelqu'un va lire. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5. 1 à 5. Pour moi, frère. C'est Paul qui parle. Lorsque je suis allé chez vous. Quand je suis venu à Corinthe. Ce n'est pas avec une supériorité de langage. Regardez, je ne suis pas venu en personne éloquente. Parce qu'aujourd'hui, regardez s'il vous plaît, beaucoup d'assemblées, je vous assure, hein, sont remplies de personnes, non pas à cause de la parole de la vérité, mais parce que, oh, moi j'aime quand l'homme la parle, j'aime les collègues parler comme ça. Non, le pasteur quand il parle, non, il parle bien. Paul dit, hein, même si j'étais instruit, j'allais mettre ça de côté, sachant que ce n'est pas l'éloquence qui amène à la conversion. Ce n'est pas le français soutenu qui amène à la conversion. On a vu que 11 sont retrouvés. Et quand on regarde le critère intellectuel de chacun, on se rendra compte que ce sont tous des gens de peu d'instruction. Mais ils ont bouleversé le monde. Frère, ce n'est pas par la force ni par la puissance. C'est ça. Donc, ce n'est pas une affaire de mots. C'est une affaire de quoi? De l'esprit de la parole. Quand la parole est prêchée par l'esprit, frère, l'incrédulité tombe. La parole de Dieu est une puissance. En fait, nous ne réalisons pas toujours l'impact où on colle un peu ces paroles, mais nous, en tout cas, ça dit parce que nous commençons à réaliser que et ça là, ça ne ment pas. Regardez, l'expérience de notre maman Alice. Beaucoup de nous, parmi nous, l'ont expérimenté. Au départ, la parole de la vérité, regardez, toutes les forteresses. Dans la vie de celui à qui on a imputé les fausses doctrines. Tout à fait, c'est des montagnes, c'est des forteresses. Mais la parole est toute puissante, c'est que quand elle rentre, même si ça prend du temps, aussi vrai qu'elle est rentrée, même quand la personne va s'éloigner, au point où vous direz, ah, c'est là, celui-là, vraiment, je ne l'ai plus. Mon ami, la semence de Dieu, frère. Amen. Surtout lorsque elle tombe dans une terre fertile. Parce que la terre fertile, c'est ceux à qui elle était destinée. Si vous êtes une bébé du Seigneur, vous aurez pourtant à manifester. Oh, vraiment, je vous parole là, vraiment, non, ça c'est vraiment. Tu fais quoi? Mais je ne l'ai plus. Tu fais quoi? Mais comme tu t'es prêté à nous écouter, nous avons confiance à ce qui est rentré en toi. Allez, va! Autant marqué par Dieu, nous serons suivis de loi. Amen. Parce qu'aucune des brebis qui appartient au Seigneur ne doit souffrir. Vous verrez que Voltaire, moi-même, on prend des décisions. Allez, je n'ai pas pris là-bas par le coup. Mais tu ne sais pas que Dieu est sous un joug. Tu as déjà parlé. C'est-à-dire que. Tu te verras ramener. C'est nos visions. C'est pourquoi souvent, ça ne sert à rien de. De se chamailler avec les gens, toi tu veux pas quoi? Je vous assure, il n'y a pas meilleur privilège que quelqu'un vous accorde de son temps. Même il se vole. La parole c'était pour vous écouter, mon ami. Si la parole que vous sortez, ce n'est bien pas de vous, les choses se feront. Mais là, si c'est bien de vous, rien ne se fera. C'est quand Paul dit que quand j'étais au milieu de vous, je ne suis pas venu vers vous avec supériorité de langage. Ouais. Oui. Ou de sagesse. Que je suis allé vous annoncer le témoignage. Pourtant, l'apôtre Paul était sage selon le monde. L'apôtre Paul était sage selon le monde. Il avait une connaissance parfaite, non seulement de la loi, mais et même de l'expérience de la vie. Mais il dit que je n'ai pas utilisé ce moyen-là, ces atouts-là, pour vous amener à la conversion. Quand tu fais,
car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose. Écoutez, bon, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Que qui? Que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Donc je n'ai pas eu à parler d'autre chose ou à rechercher autre chose au milieu de vous, alors que j'étais avec vous, si ce n'est la personne de Jésus. Pourquoi? Sachant qu'il n'y a que lui qui peut amener les hommes au salut. C'est fort. Quand il fait? Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte. De crainte? Et de grand tremblement. Regardez, pourtant il est mandaté, mais devant Dieu, il va se voir petit. Un état de faiblesse, la Bible dit, et de tremblement. Tremblement par rapport à quoi? Tremblement parce que, bien qu'il ait été envoyé par Dieu, il devait veiller à quoi? À son message. Il ne devait pas véhiculer notre message ou falsifier l'évangile qu'il avait reçu. Donc, quand il se tenait, c'était toujours avec crainte et tremblement. Et quelle est notre attitude? Amen. Pour nous, ce n'est pas un sujet de gloire, être là-devant. Qu'est-ce qu'on gagne? Matériellement. Mais nous nous voyons face à un engagement. Nous voyons lui-même, le patron, les yeux rivés sur nous pour s'assurer de ce que nous sortons. Est-ce que ce que nous transmettons vient de lui? Regardez, si les prédicateurs pouvaient se poser la question, ils n'auraient pas eu des aventuriers comme ça. Mais comme ils ne connaissent pas Dieu, c'est pourquoi ils ont cette liberté de dire n'importe quoi. Celui que lui appelle veille sur la qualité de ceux qui transmettent. Sachant que si c'est mal transmis, c'est la mort qui est communiquée. Si c'est bien transmis, c'est la vie, gloire à Dieu, qui est communiquée. On y va. Verset 4. 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours. Moi, j'appelle les bandits. Pourquoi? Les bandits, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce passage. Parce que, en les écoutant, quand ils disent, et mes discours ne s'appuyaient pas sur la sagesse humaine, mais sur la démonstration de force et de l'esprit. Pour eux, c'est quoi? Ce sont les miracles. Vous avez entendu les gens parler comme ça, non? Nous, on ne parle pas trop. Nous, on est partout dans vous avez le Bible. Là. Voilà. J'ai entendu un bandit comme ça, il faut à la télévision. Il dit que nous, on n'est pas là dans l'affaire des Bibles. Ah? Nous, c'est la démonstration. Mais ils ne savent pas que Jambès et Janès ont fait la même chose. Ils ont fait des signes, des miracles, des prodiges, mais sans la parole de Dieu. Donc, sans le savoir, ils se déclarent comme étant des Jambès et des Janès, des magiciens, des sorciers. Regardez, le vrai miracle, frère, s'appuie sur la parole de Dieu. La Bible dit, les apôtres prêchaient ici et là, et Dieu confirmait leur parole par des signes, des miracles. C'est-à-dire que, pas la salut avant les deux. C'est-à-dire que pas d'abord les miracles. Quand vous voyez un séminaire, venez, festival de miracles. Celui qui a enseigné ne dit miracle même pas. Pourquoi? Parce qu'aucun des apôtres n'a prêché les miracles. Par contre, les miracles confirmaient leur évangile. Est-ce que tu comprends ces différences? C'est pourquoi c'est bien d'être enseigné. Quand on enseigne vraiment les plus ballottés. Oh, il y a nous qui venons. Mon frère Benadette, en Zambie, lorsque nous étions, j'ai posé la question que vous êtes habituellement nombreux comme ça. Et puis les anciens là-bas m'ont dit non, on n'est pas nombreux. Non, on est nombreux parce que quand on est là, c'est parce que, en fait, on est ce nombre-là parce que notre orateur vient de France. Ah, il y a des ignorants avec l'affaire de France là, aux États-Unis. Ils sont peu qui font le temps d'examiner, c'est que, d'éprouver les esprits. Eux, leur but, c'est pas, il vient des États-Unis. Comme ça vient des États-Unis, Dieu est forcément là. Comme si Dieu était américain. C'est incroyable. Oh, celui qui a enseigné, frère. Que Dieu vienne même de la lune, mon frère. Nous allons te prouver. Même si un ange. Voilà. Le Seigneur allait loin. Il dit que même quand un ange venait du ciel, pour vous apporter un autre évangile, c'est qu'à temps de celui que nous avons péché, qu'il soit anathème. Donc, l'apôtre Jean nous est dit, a fait quoi? Il éprouvait les esprits pour savoir si c'est de Dieu ou pas. Donc, nous, ce n'est pas ton Amérique qui nous intéresse. On n'est pas impressionné parce que tu es des États-Unis. Mais nous, c'est quoi? C'est ton message. Qu'est-ce que tu as apporté au peuple? Et nous qui étions dans cette salle-là, nous avons éprouvé ce monsieur, nous avons compris que c'est un ouvrier trompeur. En fait, un séducteur. Mais ils sont peu qui ont vu en lui la séduction. Pourquoi? Parce que tous sont aveugles. Tous sont aveugles.
Et Dieu rendait sa vie parce que la parole a le pouvoir d'ouvrir les yeux de façon à ce que nous soyons en train de reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux, quelle que soit la forme. Parce qu'aujourd'hui, la séduction passe beaucoup par la forme. Aujourd'hui, les assemblées, enfin bref, les lieux de réunion, deviennent maintenant comme des boîtes de nuit. C'est pas ça qu'on s'habille. Autrefois, quand nous avons dit de l'hiver, c'était seulement les tôles, hein, pour vu qu'on soit à l'abri de la pluie et du soleil. Et puis, à un moment maintenant, oh, vous savez, l'église, Dieu est riche, Dieu, c'est pas la pauvreté. On a commencé à appeler les climatiseurs. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, attention. Mais ce n'est pas le but que nous recherchons dans nos assemblées. Et de là, c'est parti. Là, maintenant, c'est maintenant, il y avait des jeux de lumière bleue, vert, on dirait des voix de lumière. Mais mon Dieu, le Seigneur, tout ça, c'est quoi? C'est pour captiver ou encore séduire tous ceux qui, n'est-ce pas, sont attachés au bling-bling du monde. Mystification. Alors, j'étais une église, comme un poulailler. Les gars, l'église, c'est à l'autre. Tu sens que Dieu est là. Tu la bave des lumières bleues. Et c'est cette lumière, comme les voix de lumière qui font les mains. Ils ont mis mes sables. C'est compliqué. Ah, Seigneur. Comme si c'était le but de chercher à faire. Regardez, même sans public, l'évangile de la vérité touche les cœurs. Sans collet pastoral, l'évangile de la vérité fait son travail. Sans titre révérend, apôtre, caterpillar, bulldozer, l'évangile de la vérité fait son travail. Regardez, on n'a pas besoin de ça. Paul dit, tu n'es pas usé d'autre moyen, si ce n'est de présenter ce dont vous avez besoin. Et l'homme a besoin d'une seule chose, c'est quoi? C'est la vraie parole afin de vivre. On continue. Verset 5. Oui. Afin que votre foi fût fondée. Alors, donc la démonstration, est-ce qu'on fait? La démonstration, on parle pas de la puissance, ce n'est pas une affaire de miracle, parce que jamais les miracles peuvent fonder la foi d'un croyant. Parce qu'ils ne lisent pas la suite. Ouais. Tous les bandits ne lisent pas la suite. Eux, c'est pas quoi. Vous savez, nous, c'est pas trop parler, nous, c'est la démonstration de la puissance. Mais lisez la suite du verset. Paul dit quoi? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, hein? Mais sur la puissance de Dieu. Regardez, qu'est-ce qui peut amener la foi d'un homme à être fondée? Est-ce des miracles? Regardez, si c'était des miracles, tous les faux miracles mensongers qui ont lieu dans les vies de l'éveil là, on aurait pu les inconvertir dans ces milieux-là. On aurait pu eu affaire à des personnes flottantes. Voué à toi de doctrine, si et seulement si les miracles fondaient la foi. Pour la démonstration ici, c'est quoi? C'est la vérité qui est libérée et qui trouve l'impact dans la vie d'un individu, n'est-ce pas? Cet impact qui donne à la personne, non seulement d'ouvrir les yeux, mais d'expérimenter Dieu. Voilà la démonstration de la puissance. Amen. C'est pourquoi il est bien de comprendre la parole de Dieu. C'est pas seulement les mots. Oh non, c'est pas tout la parole et nous. Hein? C'est mieux. Non, nous, on n'est pas là pour les débats, mon frère. Nous, c'est seulement. Non, nous, c'est grâce au diable. Démonstration de puissance. Là, Dieu nous ramène devant le palais de Pharaon. Dieu nous ramène devant Pharaon. Mais là-bas, nous gardons un souvenir. Moïse a démontré la véritable puissance. Parce que les miracles de Moïse étaient le fruit de quoi? De la parole qui lui avait été confiée. Or, Jambès et Jeannès n'avaient aucune parole de Dieu. Mais ils ont manifesté des miracles. Des miracles, n'est-ce pas, qui ont fini par être des serpents, qui ont fini par être avalés. Par quoi? Par le serpent de Moïse qui, lui, s'appuyait sur le roc, sur la parole du Seigneur. Parce que, souvenez-vous, Moïse n'est pas allé en son propre nom, mais Moïse est allé sur la base de la parole du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la démonstration de la puissance, c'est-à-dire avoir des miracles. Nous ne disons pas non plus que les miracles n'ont plus d'actualité parce que ce jour de la réunion, le monsieur a dit carrément que non, nous ne nous attendons plus à des miracles expérimentés par les apôtres. Parce que Dieu voit que Dieu n'agit plus parce que l'église est dans le mal. Et puis on se pose la question, on dit, mais qui va se dire ce qu'appelle l'église? Quelle église qui va être dans le mal? Une église dans le mal, ce n'est pas l'église. Parce que l'église, c'est Christ. Christ n'est pas dans le mal, frère. Il ne faut pas confondre les dénominations avec l'Église, deux entités différentes. Revenons sur la complainte de notre bien-aimé. Alors, donc, la question de Job, c'est qui pourra rendre l'homme juste? Romains chapitre 8. Nous avons la réponse.
qui peut rendre l'homme juste? Romains 8, 29 à 30. Qui finalement peut rendre l'homme juste? C'est la question. Romains chapitre 8, à partir du verset 29 à 30. Oui. Page 1141. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image. Non. J'étais Romain combien? Romain 8. 8, à partir du verset 29. Non, reprends-toi encore là-bas, parce que nous pouvons découvrir qui peut rendre juste. Ouais. Romain 8, 33. Romain 8, au verset 33. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 33. Ah, 33. Voilà, qui accusera les élus de Dieu? Merci Seigneur. Parce qu'ici, il est question de découvrir comment ou encore quel est le moyen que Dieu va utiliser pour rendre l'homme juste. Parce que, en effet, pour nous, les hommes, c'est impossible d'être juste. Parce que l'on se connaît. Hein? On se connaît. Chacun qui dit, tu ne veux pas être juste devant Dieu. Mais Dieu, dans sa miséricorde, va trouver un moyen, n'est-ce pas, qui est celui de nous rendre juste. On y va. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. On s'arrête là. Qui accusera les élus de Dieu? Regardez, ça veut dire quoi? Attention. La justification, frère, n'est pas possible pour tout le monde. Comme on dit, tout le monde ne sera pas justifié. Mais qui sera justifié, c'est l'élu de Dieu. Regardez, Habakkuk a parlé en ces termes, mais le juste vivra par la foi. Or, dans Hébreu, là-bas, il est dit, mon juste, c'est faux, hein? Hébreu dit, mon juste vivra par la foi. Il dit, mon juste. Donc, il y a des justes en Christ, mais qui ne sont pas des justes. C'est parce qu'on fait mon langage. Dieu ne considère juste que ceux-là qu'il a lui-même justifié. Amen. Or, à côté d'eux, il y a des gens qui cherchent, qui se justifient par les moyens qui sont les leurs. D'où la précision, mon juste. Non, tout le monde n'est pas mon juste. Il faut être un juste qui appartient à Dieu pour prétendre avoir été justifié. Il y a des gens qui ne sont, qui sont soi-disant justes, mais ce ne sont pas ces justes. Parce qu'il dit, mon juste vivra, mon juste sera sauvé par le moyen unique que je l'offre. C'est quoi? C'est la foi. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Donc les élus de Dieu, ce sont quoi? Ce sont ces justes. Un élu, c'est quelqu'un qui, même si par le passé il a mené une vie bizarre, loin de Dieu, dans la confusion, dans les ténèbres, aussi vrai qu'il est un élu, il n'échappera pas. Ah non, comment c'est qu'il me fait peur? Pardon, l'église a quand même me fait peur. Va, mais tu devras l'amener. Pourquoi? Parce que cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend du plan que Dieu a eu pour toi avant la fondation du monde. On va le voir. Voyez-vous? Donc l'élu ne peut pas échapper au salut. Et ces élus-là, eux seuls auront part à quoi? À la justification. Quand on parle de justification, frère, c'est pourquoi nous disons que nous n'allons pas prendre d'autres chemins. Jésus est le seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vous allez voir que Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, a montré ce chemin-là au patriarche. C'est-à-dire qu'à ces personnes-là, ces prophètes-là, avant nous. Mais nous aimons nous appuyer sur Abraham, parce que Abraham, moi et mes chers amis, pour ceux qui ne le considéraient pas, commençaient à le considérer dès ce matin. Pourquoi? Parce que c'est à lui, à qui Dieu fit grâce de promettre la bénédiction qui est le partage, qui est le partage aujourd'hui. Donc, si tu es béni aujourd'hui, frère, c'est parce que c'est passé par Abraham. Je vais dire qu'Auguste, pendant que Abraham recevait le pain et le vin, Auguste était où? Et Auguste était dans les reins d'Abraham. Par conséquent, il ne peut échapper à cette bénédiction.
il ne peut échapper à la justification. Parce que ce sont ces personnes que Dieu a destinées à la justification. Ce sont là les justes qui lui appartiennent. C'est ce qu'elle a dit, mon juste vivra par la foi. Alors, plus loin, Romains chapitre 8, le passage de tout à l'heure, Romains chapitre 8, verset 38, ce qu'on disait, 29 à 30, c'est ça? Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Romains chapitre 8, avec partie verset 29. Suivez. À 30. Attends. Car ce qu'il a connu d'avance, Il a aussi prédestiné à être semblable. C'est la question. Qui il a connu d'avance? La Bible est claire là-dessus. Les gens veulent occulter. Oh non, Dieu ne peut pas prédestiner des gens. Il ne peut pas prédestiner certains au salut et d'autres à la mort. Non! Nous n'inventons rien parce que ce sont des paroles inspirées. La Bible dit quoi? Ceux-là, pas tout le monde. Et vous allez voir que ce n'est pas étonnant que les gens vont, la majorité va s'entêter dans la démarche des œuvres. Pourquoi? Parce que la prophétie ne sera pas lisible pour eux. Ils ne pourront pas la lire. Ils ne pourront pas la comprendre. Par conséquent, chacun s'évertuera à mettre en place un moyen pour rechercher la justification. Mais ceux-là, qu'il a choisi d'avance, le prophète dit quoi? Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. On s'arrête là. Regardez, ceux-là qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Avant. Donc, si nous croyons aujourd'hui, cela signifie que nous sommes de ceux qui avaient connu d'avance. Pourquoi? Ça n'est pas là. Mais pour nous rendre semblables à Jésus. Attention, quelle déclaration quand on parle de l'esprit, vous allez tomber dans le erreur de Job. Est-ce que cela est possible? Non, l'homme qui est sorti de la femme. Non. Il faut maintenant comprendre les choses par l'esprit. C'est pourquoi nous disons que le chrétien ne peut pas vivre dans le péché. C'est ce que disait la sœur, une sœur là, oh ma chérie, frère, ça va arriver par dernier exemple. Tu as accepté Jésus, hein, tu vas aller à plus, tu tombes encore dans le péché. Non, le plan du Seigneur, c'est de sauver ceux qu'il a connus d'avance et les rendre semblables au Fils. Alors, si vous dites que le chrétien peut tomber dans le péché, c'est que Jésus est tombé dans le péché. Non, il est tombé dans le péché une seule fois à cause de nous, mais il n'en est pas resté là. Il en est sorti et il a été justifié par lui. De telle sorte qu'aujourd'hui, il est capable de justifier même l'ennemi. Il est capable de rendre juste celui que les hommes disent, oh, lui, la fête, il m'a fait directement en fait. Hein? Il y a des cas de personnes, à un moment même, quand on me dit, lui, il a fait des choses directement, ça l'escarte. Dieu, non. Dieu a ce pouvoir de justifier même l'ennemi. On y va faire. Car ce qui a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. À l'image de son fils. Merci Seigneur. Enfin, que son fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Donc, Jésus étant le premier-né, tous ceux qui sont nés après lui ont la même nature que Jésus-Christ. Mais la seule différence, c'est que nous sommes peut-être troisième ou quatrième, mais c'est lui le premier. Je parle comme un homme, mais pour dire que finalement, c'est quoi? Celui qui a engendré Jésus, c'est celui qui nous a engendré. C'est fort, hein? Qui a engendré Jésus, c'est la parole. Et Jacques dit, il nous a engendrés par l'évangile de la vérité. C'est fort. Donc ça veut dire que nous sommes issus d'une seule et même semence. C'est laquelle? C'est le divin. Et c'est pas étonnant que nous soyons les petits frères et les petits sœurs de Jésus. Le passage naturel, ne voyez pas que c'est par rapport à la famille Mouloumoula. Hein? Non, ne voyez pas petit frère par rapport à la famille du Cielou. Famille par rapport à l'esprit. Donc, aussi bien que Jésus est né de l'esprit, tous ceux qui sont nés de l'esprit sont les petits frères légitimes de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ceux que nous avons connus se passent à la même nature. C'est comme nous sommes saints. Amen. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi on est en essai. Donc, on n'y va pas en essai par rapport à nos œuvres. Nous, on a renoncé à ces œuvres. Parce qu'on a compris que si nous continuons à considérer nos œuvres, ce n'est pas possible pour nous de rentrer dans le royaume. Or, Jésus a dit que celui qui veut me suivre fasse quoi? Renonce à sa propre vie. La vie, là, c'est quoi? C'est ce sur quoi tu t'es appuyé pour payer la vie. Non, laisse ça, sont des bêtises.
Ce sont des béquilles. Laisse ça. Tu as besoin d'une seule chose. Ta foi en moi est suffisante pour que tu deviennes comme moi. Voilà le message simple de l'évangile que les gens ont du mal à accepter. Il est pourtant simple. C'est un message qui a juste besoin de quoi? De votre foi. Une fois que vous avez pris ce message, votre foi est suffisante pour l'heure de justice. Pas comment, en fait. Je ne sais comment parce que le vent souffle, il veut. On entend le bruit, on ne sait toujours pas, mais le vent, là vient d'où? Comme pour lui, quoi? Ce sont des mystères, des choses qui dépassent l'entendement humain. L'entendement. L'entendement, ça? Excusez-moi, papa, quand je croque, ce n'est pas malin. D'accord? Il peut arriver que je croque, ce n'est pas malin. On y va. Verset 30. Tant. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. À quel moment il appelle ces personnes qu'il a prédestinées? Frère, c'est par l'évangile que vous avez écouté. Inès, regardez. Inès est certainement une bébé du Seigneur. Bon, cela va se confirmer par la suite. Attention. Vous savez que l'évangile est un filet. L'évangile est un filet. Quand il est jeté là, toutes sortes de poissons. Toutes sortes de poissons. Mais le propriétaire du filet, à un moment, après la pêche, doit accoster. S'asseoir à la rive et commencer maintenant à lever poisson par poisson les poissons qui se sont accrochés à son filet. Et la Bible dit, je ne dis pas de ça, mais en parabole. Il dit que les poissons qui n'aiment pas, mais les poissons qui l'aiment, ils vont la glacière. Donc, souvent, ce n'est pas prudent d'affirmer tout ce qu'on parce que ce n'est pas la seule nouvelle fidèle, hein, que c'est forcément. Non. Mais c'est la suite. Pourquoi? Parce que c'est la persévérance qui justifie notre salut. C'est la persévérance qui justifie notre salut. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. C'est trop compliqué, frère. Nous demeurons fermes dans la foi. Pourquoi? Parce que c'est une foi qui nous a été communiquée une seule fois. Quand elle est communiquée, la foi n'a plus de quitter. Quand la foi liée au salut est communiquée à un homme, c'est pour toujours. Par conséquent, tu ne peux t'en défaire. Tu te verras toujours, même quand tu vas aller, si tu as été appelé à la foi. Si tu as été appelé à la foi. Même quand tu commences à goûter, oh, mais je ne pense pas que, si tu as été appelé à la foi. Et c'est ainsi que Dieu possède. Alors, ceux qu'il a appelés, il les a. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Oh Seigneur. C'est comme si c'est lui qui a inventé ces choses. Hein. Est-ce que tout le monde lit ce qui est lu par le fait ici? Donc, après nous avoir appelés par le moyen de l'évangile de la vérité qui nous a touchés, Dieu ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il les a aussi justifiés. Il nous justifie. Donc, il nous rend juste. La question c'est, oh, mais comment il a fait? Nous, on ne va pas là-bas. Ce que nous savons, c'est que nous sommes devenus justes. Regardez. Les questions, la seule question a été posée à cet homme que Jésus avait guéri, l'aveugle. Les pharisiens l'ont pris là-bas en disant, oh ma chère, oh, mais comment? Il a fait comment? Le monsieur a dit, regardez. Je n'ai pas tout ce à vous dire. Une seule chose que je connais, c'est ce que je suis devenu. C'est fort, hein? Et l'aveugle dit, dans le fond, c'est pas une affaire, c'est vrai que physiquement il était aveugle, mais le fond, c'est que c'était l'image du Seigneur qui a besoin que le Seigneur sauve par sa grâce. Parce que ce monsieur n'a rien fait pour recouvrir la vue, mais la grâce lui a été accordée. Et lui, il ne se contentait que de ce chose de quoi, que de ce qu'il était devenu. Ah, le répète là. Vous avez toujours la question, moi je ne connais pas tout ça. Ce que je sais, c'est que je vois maintenant. Nous aussi, nous parlons comme ça. Oh, mais comment tu dis que tu es juste. Ah, mon frère, le détail là, j'ai du mal à t'expliquer ça. Mais ce que je sais, c'est que Dieu me dit que par sa grâce, il m'a rendu juste. Oh, comment ça? Tu dis que tu es juste. Ah, mon frère, je ne sais pas, mais les moments, mais je suis devenu juste. Donc, le croyant se contente de ce qu'il est devenu. Maintenant, si vous voulez savoir comment tu as procédé, attendez, vous posez cette question-là après cette image. Pour le moment, frère, nous nous contentons de ce que nous sommes. Ce que nous savons, c'est que nous voyons maintenant. Avant, on était aveugle, maintenant nous voyons. Voilà. Amen. Continue, frère. Ce qu'il a justifié. Oui. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Mon Dieu. De la même manière, il a été glorifié.
ceux qu'il a appelés, il les a également glorifiés. Par conséquent, nous ne sommes pas... Cela justifie simplement le lien d'affiliation que nous avons lu, le prophète. En fait, autrement dit, nous avons eu tous part à la même expérience que le Seigneur Jésus. N'est-ce pas un privilège? Attendez, c'est un droit, c'est un mérite. Est-ce que c'est un mérite? C'est un privilège, c'est une grâce. Nous disons merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ce privilège. Regardez, l'apôtre Paul, qui est notre apôtre, va parler de lui-même. Prenons ça. Il parlera de lui-même. Ça veut dire de lui-même, il a péché son... Non, c'est-à-dire qu'il va parler de ce qu'il a été par le passé. Et Galates chapitre 3. Donc, Philippiens chapitre 1. Philippiens 3. Philippiens chapitre 3, le verset 1 à 3. Écoutez l'apôtre. C'est quelqu'un à la page. Philippiens chapitre 3, le verset 1 à 9. Philippiens chapitre 3, premier verset au 9e verset. C'est la page 1180. Voilà. Et dans mon point, s'il vous plaît. Et dans mon point. 182. S'il vous plaît. La Bible nous dit ceci. Oui. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous écoutez ce que Paul dit. Il dit au reste. Pas tout le monde. Quand il parle de reste, c'est le petit troupeau. À qui le Seigneur a bien voulu donner le joyau. Petit troupeau. Il dit au reste, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? C'est quoi se réjouir dans le Seigneur? Se réjouir dans le Seigneur, c'est voir sa sanctification par rapport à Christ. Suivez-moi bien. Se réjouir dans le Seigneur, c'est voir sa protection par rapport à Christ. Se réjouir dans le Seigneur, c'est voir son salut par rapport à Christ. Ça dit en fait, c'est quoi? Ne te glorifie pas à toi-même. Renonce. Mais glorifiez-vous dans le Seigneur. C'est qui est dit. Très bien. Continue. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Très bien. Et pour vous, cela est salutaire. Il dit, je ne me fatigue pas de vous répéter les mêmes choses. Pourquoi? Parce que pour moi, j'estime que ces choses sont salutaires. Ces choses peuvent vous sauver. On y va. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Bon, fait vraiment. Non, là, pour la peuple, il est juste trop. Il est trop jugé. Il était quand même le chien. Oh, il est impoli, il est un peu pour le moment. Il juge trop. Et c'est ce que nous racontons. Quand on parle, quand on tient le langage de notre maître, on le trouve bizarre. Oh, vous, maintenant, vous, ce qui n'est pas avec vous, vous êtes trop jugé. Ne sachant pas que, avant nous, le maître a parlé en ces termes, les apôtres ont parlé dans les mêmes termes. Il dit quoi? Prenez garde aux chiens. Quand il parle de chien, ce n'est pas qu'il dit que Jean est un chien. Le chien ici, là, c'est quoi? C'est l'homme naturel. L'homme animal, merci. Qui ne comprend pas les choses de l'esprit, mais qui souvent sont les conducteurs. Tel que ce monsieur-là, c'est un homme animal, mais il est venu enseigner ça de la parole de Dieu. Mais Paul dit, prenez garde à ce genre de personnes-là. Prenez garde au chien. Ensuite, prenez garde aux mauvais ouvriers. Aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Aux faux circoncis. Pourquoi Paul parle de faux circoncis? Parce que dans la Nouvelle Alliance, nous pouvons comprendre que les circoncis selon l'ancienne alliance, ce sont les faux circoncis. Qui est circoncis selon la Nouvelle Alliance? Quiconque a reçu le Saint-Esprit. Donc, les faux circoncis, ce sont ceux qui viennent parler au nom de Dieu, mais sur la base de religion. Or, tu sais, moi, je suis catholique, voilà, Jésus a dit comme ça, faux circoncis. Le faux circoncis qui dit que non, mais tu sais, je suis un juif, dans mon corps, là, il y a le sang juif, donc je suis un homme de Dieu. Dieu a dit que nous, les juifs, faux circoncis. Il dit, méfiez-vous de ces gens-là. Pourquoi? Parce que le faux circoncis, regardez-moi bien, va vous amener inévitablement dans une démarche opposée à la prophétie qui a été confiée à Habacuc. Il dit à Habacuc, le juste vivra par la foi. Or, eux, les faux circoncis, ils vont dire non, la foi, oui, la foi, mais tu sais que. Mais, dès que vous entendrez, mais, vous comprendrez que, pareil, faux circoncis.
En fait, c'est facile de reconnaître les faux circoncis, les faux oubliés. C'est quiconque écarte la justice de Dieu, à savoir la foi, pour trouver d'autres moyens. Oh, pour aller au ciel, il faut que tu fasses baptiser, il faut que. Et puis on se retrouve en train de rechercher la justice selon nous. S'écartant ainsi de la justice que Dieu a confiée à le prophète Habakkuk, qui devait s'accomplir dans la nouvelle alliance au travers la personne de Jésus. Continue, fait. Au verset 3. Oui. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu merci, notre Dieu, Seigneur. Par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Amen. Et qui ne font point notre confiance en la chair. Merci, Père. Oh, Seigneur. Il dit, les circoncis, c'est nous. Ce n'est pas les Juifs. Quand Dieu soit circoncis, ils le sont selon la chair. Or, nous, dans le Seigneur, nous le sommes selon l'Esprit. Par conséquent, nous rendons à Dieu un culte, pas selon la chair. C'est quoi le culte selon la chair? Ici, quand Paul parle du culte selon la chair, c'est le culte selon le culte des Juifs. Qui impliquait un ensemble d'éléments. Or, comme je suis, il faut me faire un kippa, il me faut une corne, il me faut l'huile d'onction, il me faut... L'habit, ça sert de terre. Voilà, tout ça là, c'est le culte des Juifs. Tous ceux qui s'y livrent, ça, je voulais parler, profiter de cette occasion. Parce que nous connaissons plusieurs dans Libreville qui sont des assemblées où les pasteurs sont pourtant des femmes, des quotas, des gounous, mais qui curieusement se retrouvent dans la pratique du culte des Juifs. Nous voulons annoncer à leurs fidèles et à eux-mêmes que Dieu les considère comme étant des faux Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur confiance dans ce qu'ils font pour plaire à Dieu. Or, Paul dit, nous les vrais Juifs, nous nous quoi faire? Nous nous glorifions. Par l'Esprit de Dieu, oui. Nous glorifions en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est-à-dire que Jésus, c'est que pour nous. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi. Mettre sa confiance dans la chair, c'est aussi comme la pensée qu'anime, en fait, c'est la pensée qu'anime les équipes de réveil. Or, si on ne se sanctifie pas, c'est-à-dire que pour eux, c'est grâce à l'abstinence au tabac, au sexe, aux accords. Pour eux, je vous assure, c'est grâce à ça que leur salut peut être possible. Sans le savoir, ils se confient dans la chair. Ils mettent leur confiance dans la chair. Par conséquent, ce sont des faux circoncis, des faux juifs. Or, le vrai juif, frère, qui est circoncis selon l'esprit, frère, lui ne voit rien de lui en bon. Il ne voit rien de bon en lui, mais place toute sa confiance en celui que Dieu a envoyé pour accomplir la loi et ses exigences à sa place. Amen. La loi avait des exigences, frère, que l'homme n'a plus respecté. Mais Jésus a été envoyé pour accomplir ça à notre place. C'est pas parce qu'il est sur la croix. Là, j'ai dit, ne parlons pas de ça. Tout est accompli, mais ils ne comprennent rien. C'est-à-dire que la prophétie est scellée pour eux. Ils ne comprennent pas. Ils ont du mal à la lire couramment. Tout est accompli. Regardez, mais Paul va parler de lui, par le passé. Paul dit quoi? Moi aussi. Cependant, je vais sujet de mettre ma confiance en la chair. Mon Dieu. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. C'est Paul qui parle, hein? Parce qu'il ne comprenait pas d'accord. Mais moi qui ai été vraiment un pilier dans les œuvres de la loi, j'ai renoncé à ces choses. Comment aujourd'hui autour de moi il y a des gens qui s'en vantent? Il dit, moi aussi je pourrais même me glorifier. Pourquoi? Parce que je me suis plié à plusieurs exigences de la loi. Quand tu fais? Moi, Paul. Moi, si aussi le huitième jour. Tu veux? De la race d'Israël. De la race d'Israël. De la tribu de Benjamin. De la tribu de Benjamin. Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisienne. Vous comprenez ça? Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisienne. C'est Paul qui parle par rapport à son passé. Avant qu'il n'ait eu la grâce de croire au Seigneur Jésus. C'est bien fait. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Paul dit irréprochable. Mais là, mon frère, Paul avait menti. Hein?
Mais nous avons le droit aussi parler comme ça, le frère. Il dit qu'il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Lorsque nous savons que la justice de la loi, pour l'obtenir, il fallait pratiquer toute la loi sans violer un seul commandement. Mais comprenez son langage. Il veut dire que, en tout cas, j'ai mis le paquet. J'ai fait de mon mieux. Plus que plusieurs de mes contemporains pour plaire à la loi, pour plaire à Dieu. C'est ce qu'il a dû le dire. Quand j'ai fait. Mais cette chose qui était pour moi des gars. Regardez, cette chose, pour moi, cette pratique de la loi qui pour moi allait me procurer le salut, son gain c'était quoi le salut? C'est-à-dire que lui voyait la justification au travers la mise en pratique des œuvres de la loi. C'est Paul qui parle. On y va faire. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, oui, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Hein? Regardez, la vraie conversion consiste à ce faire. Vous ne pouvez pas être converti et tout en restant attaché aux œuvres de la loi. Ne venez pas converti. Voilà l'exemple de vraie conversion. Paul, sous la loi au départ, mais après la conversion, ça donne sens. Ceux qui croient s'appuyer, ils croient s'appuyer, ça va être comme de la loi. Ça n'a plus de valeur. Pourquoi? Il dit à cause de Christ. Pourquoi? Parce que Paul avait eu la grâce, non seulement de savoir qu'il y a un Christ qui veut venir, mais la grâce de savoir que l'œuvre que le Christ a accomplie, il a accompli pour mon bien et à cause de moi. Une fois que vous avez cette compréhension, vous n'aurez pas du mal à renoncer à vos propres œuvres. Donc vous allez renoncer à ça systématiquement. Donc Paul est le seul à qui ont compris que non, le Christ l'annonça, je mets une croix sur ma démarche antérieure. Quand tu fais. Verset 8. Et oui. Même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Toutes ces choses-là, je les regarde maintenant différemment. À cause de quoi? L'excellence de la connaissance de Christ. Afin de quoi? Afin de gagner Christ. Quand tu fais, c'est pas fini. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Réveille ce qu'il a, s'il vous plaît. Notez bien là ce que Paul dit après avoir dit toutes ces choses. Il dit que. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Hein? Mais avec celle qui s'obtient par la foi. Amen. Nous disons amen. Paul dit, je renonce à tout cela parce que je ne voudrais pas être trouvé m'appuyant sur ma justice. Parce que la justice de Paul, c'était celle qui vient de la loi. Mais il a demandé, il a renoncé à tout cela afin d'être trouvé non avec sa propre justice, non celle de la loi, mais avec celle que révèle l'Évangile. Quelle est la justice que révèle l'Évangile? La foi. Donc Paul a renoncé, Paul a fait comme nous. Parce que nous aussi autrefois, suite au faux évangile qu'on avait reçu, nous étions dans cette démarche-là des œuvres pour nous faire, tant que tu n'as pas fait ça, tu n'es pas au ciel. Il y en a qui disent, toi qui dis la fornication, l'enfer est sous tes pieds. Posez la question à ce monsieur, oui d'accord. Non, tu ne fournis pas. Mais tu mens. Oui. S'il est honnête, il dit, ah oui, mon frère, tu as raison, je mens. Mais comme ce sont des pharisiens, donc des orgueils, des menteurs, qui vont dire, je mens depuis le début, je suis convaincu, je ne mens plus. Oh. Ah! Ça, c'est quoi? S'attacher à sa propre justice. Mais connaissant, frère. Mon frère Darwin, on se connaît, non? Ah! Parce que sur la base de la justice de la loi, frère, personne ne peut lever ça avec lui, comme moi. À moins que tu t'affirmes être un gros pharisien hypocrite. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur, c'est pourquoi il n'a pas voulu nous juger sur la base là où. Nous disons merci, non? Ah! Si c'était sur cette base là, mon frère, en ma suite, directement là-bas, dans la gueule du loup. Parce que, regarde, sur cette base là, Dieu ne regardait, pas seulement les transgressions publiques. Mais Dieu regarde sur les transgressions secrètes. Ah! Donc dans le cœur, ce qui se passait dans le cœur,
Donc quelqu'un pouvait être, oh non, moi je n'ai pas forniqué, mais dans le cœur que c'est passé. Donc Dieu va dire, ok, ces justices-là, en réalité, je ne vous l'avais pas donné pour vous l'obtenir. Parce que je savais que personne voulait l'obtenir. Je vais mettre une croix, pourquoi? Parce que j'ai confié une prophétie à Habakkuk, lui disant que le juste vivra par la foi. Regardez, cette prophétie va s'accomplir dans la vie du patriarche Abraham. Romains chapitre 4. Romains 4, on va bientôt terminer, ne vous en faites pas. Romains 4, juste le verset 4 à 6, rapidement. Romains 4, à partir du verset 4 à 6. Oui. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est impliqué, non comme une grâce, mais comme une chose. Tout le monde comprend cela? Les travailleurs. Frère. Putain, le club des travailleurs. Ton salaire ne sera jamais cassé. Faut pas. Et là que les dispositions vont être prises, c'est-à-dire que ceux qui vont sécher verront leur salaire suspendu. Donc ce n'est pas une grâce. Il faut qu'on travaille. D'accord? Or, à celui qui fait une œuvre, son salaire ne peut être une grâce. Mais c'est quoi? C'est un mérite. L'ouvrier mérite son salaire. La suite? À celui qui ne fait point d'œuvre. À celui qui ne fait point d'œuvre. Mais qui croit à celui qui justifie l'impie. Oh. Sa foi lui est imputée à justice. N'est-ce pas clair? Nous sommes de ceux qui n'avons pas fait d'œuvre. Mon frère, c'est la question que vous posez. Mon frère, qu'est-ce qui justifie dans sa vie? Oh, je suis sauvé parce que les gars, je ne fume plus, je ne bois plus. Ah! Le salut n'est pas fait pour les gens qui ne. Oh, moi. Le salut est destiné à qui? À ceux qui ne font point d'œuvre. Pourquoi ils n'osent pas faire des œuvres? Parce qu'ils estiment que aucune œuvre bonne ne peut venir de eux. Je ne sais pas si vous faites comprendre. Cette attitude permet simplement à la justification de se faire dans ta vie. Quand on parle de justification, ça veut dire que cette justification est démontrée par la présence du Saint-Esprit en toi, qui désormais, maintenant, va te pousser à produire non pas des œuvres, mais les œuvres de Dieu. Il faut distinguer nos œuvres et les œuvres de Dieu. Deux œuvres, deux types d'œuvres. De nature différente. Les œuvres de Dieu sont humaines, terrestres, diaboliques, charnelles. Et celles de Dieu, frère, c'est la perfection. Voyez-vous? Donc, les croyants seuls manifestent des œuvres parfaites. Des œuvres agréables à Dieu. Non pas eux, mais celui qui vit en eux. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. Ah, Paul avait compris comme nous faisons. Il a dit, je peux faire des réponses parce que moi, là, je me connais. Paul était un homme de la même nature que vous et moi. Sont sérieux. Né d'une femme. Sont sérieux. Mais Paul a compris que, si ma justice, là, ce n'est pas évident que ça soit. Je renonce. Vous comptez à quoi? Sur quoi? Sur la justice de Dieu. On continue, frère. Or, à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Merci, Seigneur. Le prophète David présentait ces choses que nous avons expérimentées. Dans son esprit, il voyait l'accomplissement de la prophétie donnée à Habakkuk. Le juste vivra par la foi. Il dit, heureux l'homme, dont quoi? Dont oui? Dont quoi? Dont les péchés sont. Le même David est non, c'est ça. Bon. Oui. Le bonheur de l'homme. À qui? Le bonheur de qui? De l'homme à qui Dieu impute la justice sans les yeux. Dieu ne sauve personne sur la base de ses yeux. Mais Dieu sauve le pécheur. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas apte. Qui n'est pas apte à être justifié. Il n'est pas apte. Mais lui, il est venu pour justifier les pires. Il n'est aussi pas venu pour ceux qui sont bons. Je suis venu pour ceux qui sont malades, les pécheurs. Donc nous sommes justifiés parce que, en effet, nous reconnaissions que nous étions perdus dans les ténèbres. Mais lui, il est venu pour sauver qui? Ceux qui sont perdus dans les ténèbres. Vous comprenez ça? Or, quand quelqu'un dit, oh, moi, je jeûne deux fois par jour. Moi. Ça veut dire que tu es dit, je vais pas faire le cœur parce que moi je suis pas dans les ténèbres, je suis dans la lumière. Oui, ok, comme tu es dans la lumière, reste dans la lumière.
Je ne suis pas venu pour ceux qui sont dans la lumière. Je suis venu pour ceux qui sont dans les ténèbres. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On veut terminer. Galate 3. Avant Galate 3, Romains 10. 1-3. Romains 10, 1-3. Romains 10, 1-3. Rapidement. Romains 10, 1 à 3. Suivez. Page 1132. Romains 10, 1 à 3. Frère, de mon cœur. Paul dit, le désir de mon cœur. Et ma prière à Dieu pour eux. Et ma prière pour Dieu pour eux. C'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Paul parle de ses frères les Juifs. Ils, malgré le message de l'évangile apporté par Jésus, s'entêtaient. Moi, j'appelle ça l'entêtement. S'entêtaient à quoi? À rester attachés à la loi de Moïse, recherchant ainsi la justification par cette loi. Et puis Paul, après sa conversion, il se rend compte que, oh, ils sont dans la même erreur, dans la même démarche à laquelle moi-même j'étais. Ils sont perdus alors. Oh Seigneur, si ça dépendait que de moi, ma prière pour Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. Parce que je constate, je fais un constat dans la vie de mes frères les Juifs, c'est qu'ils ont du zèle pour Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est le même constat que nous faisons aujourd'hui. Combien parmi nous n'ont pas été zélés dans la bêtise? L'éliminé que tu avais. Comme on a dit que non, c'est pour les intérêts de Dieu. Tu étais prêt à te satisfaire pour ça. Faux! Ouais. Tu étais prêt à parcourir des kilomètres. Comme pour toi, ce sont les intérêts de Dieu. Tu vois? Un zèle, non, Dieu n'est pas comme le zèle. Mais le zèle doit avoir pour garde-fou quoi? La connaissance. Parce qu'un zèle sans connaissance, frère, c'est comme se prêter à quoi? À chercher à vider la mer avec un souffle. Aujourd'hui, la nuit va te vide. La nuit va te trouver là. Le lendemain, tu te trouver là. Dimanche prochain, tu te trouveras là. Donc, beaucoup de personnes, en fait, travaillent vers le mort, faute de connaissance. Et Paul pouvait se dire, ah, j'ai de l'amour pour mes frères. Et je souhaite qu'ils se convertissent. Ils ont un bon côté. Paul a apprécié le côté du zèle de ses frères. Il dit, ils ont du zèle, mais sans connaissance. Qu'est-ce qu'il leur manquait faire la suite? Sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Ne connaissant pas le moyen par lequel Dieu sauve. Et cherchant à établir leur propre justice. Cherchant à établir leur propre moyen pour être sauvés, comme plusieurs de nos parents le font. Que nous pleurons comme Paul, Seigneur, nos parents aveugles et ignorants. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, parce que la justice de Dieu leur a été révélée à leurs yeux. Mais personne n'a reconnu sa justice. Elle est venue chez les siens, les siens ne l'ont pas reçue. En fait, c'était la justice de Dieu qui venait pour les Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas reconnue. Donc, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils se sont établis leur propre justice. Continuez. Au verset 4. Oui. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Si et seulement si, mes frères pouvaient savoir que l'œuvre de Jésus a consisté à mettre fin à la loi et son principe, ils auraient cru. Afin de quoi? Afin d'être justifiés. Donc la justification passe par un seul moyen, la foi. Vous voyez que c'est la prophétie d'Habacuc. Mon juste vivra par la foi. D'accord, prends. Romain. Galate 3, 10 à 11. Rapidement. Galate 3, 10 à 11. Oui. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi. Non, comme la loi dit que tu ne mentiras pas, moi je ne vais plus mentir à partir d'aujourd'hui. Regardez, tu vas t'abstenir de mentir, mais tu seras un menteur sans que tu le saches. Par conséquent, maudit. Oui. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Continue en basse. Car il est écrit dans la Bible.
Allez, mon, qu'est-ce qui justifie la malédiction dans la vie d'un homme? C'est le fait de se soumettre à ce régime et d'être incapable de satisfaire la justice qui vient de ce régime. Ce régime, mon ami, non, quelqu'un qui veut l'appliquer doit ménager sa monture. C'est-à-dire que ça se dit que, oh, on laisse mon gage à la loi, il faut que je sois capable. Mais écoute, si Jésus vient, il est Dieu. Il sait que personne ne peut. Mais on est étonné de voir les faux chrétiens venir dans cette démarche. Mais mon Dieu, quel évangile avez-vous reçu? Quel est cet évangile qui vous ramène dans le premier régime pour lequel le Seigneur a fait couler son sang? Et Paul dira, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Regardez, personne ne peut être appelé par Dieu, conformément à ce qu'on a lu dans le chapitre 8, et continuer dans une démarche de la loi. Dieu ne vous a jamais appelé. Autrement dit, vous n'êtes pas converti au Seigneur. Il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et Paul mettra en garde tous les chiens, tous les ouvriers trompeurs, en leur disant ceci. Qu'ils soient bannis du milieu de vous, toutes ces personnes-là qui sèment le trouble. Sèmer le trouble, c'est quoi? C'est prêcher un autre évangile. Voilà. Sèmer le trouble, c'est diluer l'essence de ce message de l'évangile. Oh, frère, comme Paul, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons l'évangile de la foi. De façon à ce que vous qui êtes assis, qui nous écoutez, vous qui nous regardez, que cette foi vous soit suscitée et communiquée pour nos favoris. Pour faire partie, justement, du royaume de Dieu. Avant de donner référence, Romains chapitre 5. Dans Romains 3, on n'a pas lu Romains 3, 21, 26. Voilà, Romains 3, 21, 26. Romains 3, 21, 26. Préparez vos questions, parce que je sens que c'est un partage qui va susciter autant de questions. Romains 3, 21 à 26. Suivez. Merci Seigneur. Il dit, mais maintenant, sans la loi, parce que la loi, elle a été abrogée. D'accord? Il dit, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Une justice qui n'a pas rapport avec celle de la loi, mais c'est la justice dont a parlé le prophète Habakkuk. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. À laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, dont Habakkuk. Justice de Dieu par la foi en Jésus. Justice de Dieu par la foi en Kafou Philippe. En Kafou. Ça m'a fait rire, j'ai un poste comme ça. Quelqu'un qui m'a dépassé le capot a dit que votre capot slip là, il n'est pas sérieux. Il avait dit les lignes. C'est compliqué. Par la foi en Branham. Par la foi en Kimbangu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ne vous leurrez pas. Si quelqu'un vient à vous, et vous donne le savoir, vous donne le poids que le salut passe par lui faire. Sur cette base, mettez-le à la poubelle. C'est un faux. Un ouvrier trompeur est chien. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, qu'on dit fait. Amen. Non, pour tous ceux qui font les œuvres. La justice de Dieu est pour qui? Ça, ce sont les passages qu'il faut, qui sont liés à Jésus. Justice de Dieu pour ceux qui croient. Donc si quelqu'un croit parmi nous faire, tu es juste, tu as été justifié, c'est un cadeau, c'est le don gratuit de Dieu. Alléluia. Quand tu fais. Même sœur. Là, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par sa grâce. Pas, c'est pas. Sœur. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1 à 2. Romains 5, 1 à 2. Et lorsqu'on lira la conclusion du message de l'évangélisation de notre frère Pierre, lorsqu'il s'adressait à ses contemporains, nous allons répéter encore cet appel. Nous allons lancer cet appel, non seulement à vous qui êtes là, mais également à ceux qui le regardent à travers notre chaîne YouTube.
Donc, Romains 5, 5 versets 1 à 2. Ensuite, la lecture. Page 1137. Qu'est-ce qui est dit? Étant donc justifié par la foi. Alors, Paul confirme cette réalité. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. Ah, Seigneur! La paix, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun. Il n'y a plus de. Il n'y a aucun litige. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème pour nous qui avons cru en lui. Paul le dit encore autrement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que désormais la paix est. La paix a été décrétée entre nous et Dieu. Il n'y a plus de problème entre nous et Dieu. Même contre lui, nous ne pouvons plus pécher. C'est un scandale. Hein? Parce qu'il y a la paix. Quand on dit paix, mon ami, il n'y a plus de problème. Oui. Contre lui, nous ne pouvons plus pécher. Mais nous pouvons pécher contre notre prochain. Et nous pouvons pécher aussi contre notre propre corps. Vous voulez que je donne un exemple du fait de pécher contre notre corps? D'accord? La parole de Dieu n'est pas forme en vous. Vous êtes dans la ville de Ouya Ouya. Aujourd'hui c'est Jeannot, demain c'est Michel, après demain c'est André. Tu te retrouveras frappé par une maladie bénigne. Pourquoi? Parce que tu as péché contre ton propre corps. Si c'est une femme mariée qui est sûre, je ne serais pas étonné que tu sois un calibre 12, que tu sois coincé. Parce que tu as péché contre ton propre corps. Voyez-vous? Donc, beaucoup de gens ne font pas cette différence-là qu'il y a entre le péché contre Dieu, qui, pour Dieu, en tout cas, aille accorder le pardon. Non, fini, fini, hein? Je n'oserais même pas garder un seul souvenir de la notion du péché en vous. Pourquoi? Parce que mon sang a suffi. D'accord? Mais attention, le péché contre le prochain, si c'est possible, vous avez offensé le prochain, recherchez la paix, la réconciliation. D'accord? Mais contre Dieu, c'est fini. Il dit, plus que nous avons la paix avec Dieu, on y va? Ayant. Oui, plus que nous avons la paix. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À qui nous devons d'avoir eu part à la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle donc, nous. C'est par la foi que nous avons eu accès à cette grâce, dans laquelle nous faisons quoi? Dans laquelle nous demeurons fermes. C'est fort. Ferme. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi la fermeté? Parce que dans ce chemin de la foi, là, il y a des circonstances visant à vous amener à douter. Et une fois vous doutez, vous devenez carrément ennemi de Dieu. Surtout en ce qui concerne le salut. La fermeté, là, douter, ce n'est pas par rapport au jeu naturel. Il y a des exemples, je ne crois pas que je vais être nommé. Ce n'est pas ça, là. Douter par rapport à la justice de Dieu. Celui qui pense autrement que l'homme est sauvé autrement que par la foi est un incrédule, par conséquent, un adversaire de Dieu. Un ennemi. Il sera détruit. Hein, parce que Dieu ne fera pas cadeau aux incrédules. Un incrédule, c'est quiconque met de côté la justice de Dieu par la foi pour s'appuyer sur notre justice. Ce sont ceux qui Dieu déchaînera sa colère. Il dit que celui qui croit en moi vivra, mais celui qui ne croit pas en moi mourra, et la colère de Dieu demeure sur lui. Pour lui, c'est raison, parce qu'il n'a pas cru au monde. Gloire soit rendue à Dieu de ce que la grâce nous a été accordée de découvrir la justice de Dieu qui passe par la foi et par la foi sans les œuvres de la loi. Dernière référence. Actes chapitre 17, verset 30. Nous lançons cet appel. Pour vous qui regardez sur YouTube, pour vous qui êtes assemblés ce matin, voici ce que Pierre pourrait dire, inspiré par le Saint-Esprit. Actes chapitre 17, le verset 30 à 31. Actes chapitre 17, verset 30 à 31, page 1117. Écoutez ce que dit Pierre. Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Dieu s'en tenait compte. Regardez, il dit, hein, autrefois, vous êtes appuyé sur d'autres moyens pour être sauvé. Cela était lié à votre ignorance.
Maintenant que vous avez eu la grâce, que la justice de Dieu vous soit révélée ce matin, Dieu ne tient plus compte de votre état d'ignorance. Qu'est-ce qu'il dit, par contre? Vous tenez compte d'état d'ignorance? Oui. Annonce maintenant. Annonce maintenant, aujourd'hui. À tous les hommes. À tous les hommes. En tout lieu, sans distinction. Est à se repentir. Que les hommes doivent faire une chose, doivent faire une seule chose. C'est quoi? C'est se repentir. Se repentir, hein, ce n'est pas. Pasteur, hier j'ai volé. Tu t'en as bien compte que durant toute ta vie, tu reviendras encore là pour dire j'ai volé, parce que tu voleras toujours. C'est pas ce que je comprends. La repentance ici, l'appel à la repentance, c'est quoi? C'est l'appel à quoi? À renoncer à votre justice pour croire en la justice qui a été révélée au travers de la personne de Jésus. Continue. Parce qu'il a fixé un jour. Parce que Dieu a fixé un jour. Où il jugera le monde. Ah bon? Il a fixé un jour où il jugera le monde. Selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Regardez, qui va juger le monde sur quelle base? Si tout le monde a entendu. Si tout le monde a entendu, qui va juger le monde sur quelle base? Selon la justice. Hein? Mais c'est quel est le fait? Selon la justice. Voilà! Ah oui. Il va juger l'homme sur la base de la justice, donc sur la base de la foi. Autrement dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas. C'est ça le message. À l'envoyer les 11, il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira à cette justice sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Regardez, l'évangile que les apôtres ont prêché, frère, avait ce but, révéler la justice de Dieu. Si quelqu'un veut vous prêcher l'évangile qui ne devait pas justice de Dieu, c'est un faux évangile. Après, vous avez affaire à un bandit, un ouvrier trompeur, un brigand. Et ces gens-là, parce qu'ils ne feront pas du bien, mais ils ne feront qu'aggraver votre situation. Alors que Dieu bénisse sa parole. Et surtout que cette parole demeure gravée en nous et qu'elle trouve la foi chez ceux qui l'entendent maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.